Cyril Ferraud, célèbre animateur de télévision français, et Clara Morgan, l'une des célèbres mannequins et actrices françaises, ont créé une merveilleuse histoire d'amour dans le cœur des fans. La nouvelle de leur mariage s'est largement répandue sur les sites de réseaux sociaux et dans les médias, provoquant une vague de joie et une grande attention de la part de la communauté. Cyril Ferraud, avec son visage familier et son style d'animateur naturel, est rapidement devenu l'une des personnages préférés de la télévision française. Avec son humour, son intelligence et sa proximité avec le public, il a conquis les cœurs de tous âges et est devenu une icône de la télévision française. Clara Morgan, l'une des mannequins les plus célèbres et appréciées de France, a mené une carrière réussie dans l'industrie du divertissement. Avec sa beauté charmante, son talent et sa confiance, elle a attiré des millions de fans et est devenue un symbole de sex appeal et de charme. La rencontre entre Cyril et Clara n'est pas qu'un hasard mais aussi le début d'un amour intense. Les deux personnes, avec une forte connexion spirituelle et personnelle, sont rapidement devenues des amis proches puis des amants profonds. L'amour de Cyril et Clara s'est exprimé clairement et sincèrement en public. Ils partagent souvent leurs moments de bonheur sur les sites de réseaux sociaux et sur les médias, des photos romantiques aux mots profonds sur leurs sentiments. Leur décision de se marier les a rendus tous les deux plus heureux et plus complets que jamais. Ce grand jour n'est-ce pas seulement une étape importante dans leurs parcours amoureux mais aussi une affirmation de leurs sentiments forts et de leur engagement l'un envers l'autre. Cependant, le bonheur de Cyril et Clara ne s'arrête pas au mariage mais ouvre aussi une nouvelle page de leur vie. La confiance et l'unité entre eux ont créé un environnement chaleureux et heureux pour accueillir leur petite famille. La nouvelle de leur mariage a rendu beaucoup de leurs fans extrêmement excités et heureux. Ils ont exprimé leurs félicitations et leur joie sur les sites de réseaux sociaux, envoyant leurs meilleurs vœux et espérant qu'ils seront toujours heureux et épanouis dans leur nouveau mariage. Et maintenant, alors qu'ils sont entrés dans leur nouvelle vie de mari et femme, Cyril et Clara continueront sûrement à construire un amour durable et heureux, tout en créant de beaux et interminables souvenirs oubliés au cours de leur voyage. En attendant des informations détaillées sur le mariage de Cyril et Clara, les fans font constamment preuve d'enthousiasme et d'impatience. Ils se soucient non seulement des détails de la cérémonie mais aussi de l'amour et de l'union parfaite entre ces deux individus. Cyril et Clara se sont montrés mutuellement affectueux et sympathiques non seulement dans leur vie personnelle mais aussi dans leur carrière. Le soutien et les encouragements mutuels les ont aidés à surmonter tous les défis et difficultés de la vie. Leur mariage était non seulement un événement important, mais aussi une étape importante pour démontrer leur amour et leur engagement profond. Bien qu'ils travaillent dans l'industrie du divertissement, où la pression et l'attention du public existent souvent, Cyril et Clara maintiennent toujours leur lien et leur confiance mutuelle. Ils comprennent les aspects difficiles et apparemment insurmontables de ce travail, et c'est le soutien mutuel qui les aide à surmonter tous les obstacles. Avec la combinaison parfaite d'humour et de sensualité, Cyril et Clara forment non seulement un beau couple mais aussi un symbole de consensus et d'harmonie dans une relation. Ils font que tout le monde autour d'eux admire et souhaite constamment une telle relation. Leur décision de se marier n'est pas seulement une célébration de l'amour romantique, mais aussi une démonstration que le véritable amour peut surmonter toutes les barrières et tous les défis. Leur mariage n'est pas seulement un événement privé mais aussi une joie et un sentiment commun pour la communauté des fans. En attendant des nouvelles détaillées du mariage de Cyril et Clara, les fans continuent de leur adresser leurs sincères félicitations et leur soutien. Ils espèrent que Cyril et Clara passeront une cérémonie de mariage remplie de bonheur et de joie, et continueront à être heureux et épanouis dans leur nouveau mariage. En attendant des informations détaillées sur le mariage de Cyril et Clara, de nombreux fans ont exprimé leur enthousiasme et leur impatience. Ils se soucient non seulement des détails de la cérémonie mais aussi de l'amour et de l'union parfaite entre ces deux individus. Cyril et Clara se sont montrés mutuellement affectueux et sympathiques non seulement dans leur vie personnelle mais aussi dans leur carrière. Le soutien et les encouragements mutuels les ont aidés à surmonter tous les défis et difficultés de la vie. Leur mariage était non seulement un événement important,
mais aussi une étape importante pour démontrer leur amour et leur engagement profond. Bien qu'ils travaillent dans l'industrie du divertissement, où la pression et l'attention du public existent souvent, Cyril et Clara maintiennent toujours leur lien et leur confiance mutuelle. Ils comprennent les aspects difficiles et apparemment insurmontables de ce travail, et cessent le soutien mutuel qui les aide à surmonter tous les obstacles. Avec la combinaison parfaite d'humour et de sensualité, Cyril et Clara forment non seulement un beau couple mais aussi un symbole de consensus et d'harmonie dans une relation. Ils font que tout le monde autour d'eux admire et souhaite constamment une telle relation. Leur décision de se marier n'est pas seulement une célébration de l'amour romantique, mais aussi une démonstration que le véritable amour peut surmonter toutes les barrières et tous les défis. Leur mariage n'est pas seulement un événement privé mais aussi une joie et un sentiment commun pour la communauté des fans. En attendant des nouvelles détaillées du mariage de Cyril et Clara, les fans continuent de leur adresser leurs sincères félicitations et leur soutien. Ils espèrent que Cyril et Clara passeront une cérémonie de mariage remplie de bonheur et de joie, et continueront à être heureux et épanouis dans leur nouveau mariage. En attendant des nouvelles détaillées sur le mariage de Cyril et Clara, de nombreux fans ont exprimé leur enthousiasme et leur impatience. Ils se soucient non seulement des détails de la cérémonie mais aussi de l'amour et de l'union parfaite entre ces deux individus. Cyril et Clara se sont montrés mutuellement affectueux et sympathiques non seulement dans leur vie personnelle mais aussi dans leur carrière. Le soutien et les encouragements mutuels les ont aidés à surmonter tous les défis et difficultés de la vie. Leur mariage était non seulement un événement important, mais aussi une étape importante pour démontrer leur amour et leur engagement profond. Bien qu'ils travaillent dans l'industrie du divertissement, où la pression et l'attention du public existent souvent, Cyril et Clara maintiennent toujours leur lien et leur confiance mutuelle. Ils comprennent les aspects difficiles et apparemment insurmontables de ce travail, et cessent le soutien mutuel qui les aide à surmonter tous les obstacles. Avec la combinaison parfaite d'humour et de sensualité, Cyril et Clara forment non seulement un beau couple mais aussi un symbole de consensus. Problème, non? Das weiß, da muss ein Akkusativ hin. Es hat ein Genusproblem vielleicht? Gibt es einen anderen Grund, warum es eigentlich auch kein Genusproblem haben könnte? Ja, genau. Ja. Also im Deutschen ist es so, dass das zweite Glied des Kompositums des Genus bestimmt, aber das ist nicht in allen Sprachen so. Ne? Also es könnte einfach so ein Dehnzahn, wäre richtig. Ne? Wenn Zahn der Kopf wäre, des Kompositums, wäre alles in Ordnung. Also das kann uns eigentlich alles nicht überraschen. Den Details, also gerade bei diesen regularisierten Formen oder dem Wortschatz an sich und die irregulären Formen müssen uns doch mindestens einmal begegnen. Ne? Die müssen uns eigentlich häufiger begegnen, aber mindestens einmal müssen sie auftauchen. Also untertrieben, wenn ich sage, müssen uns einmal begegnen. Nicht? Ich denke mal, jetzt komme ich aber tatsächlich auch zu meinen allerletzten Anmerkungen. Es ist eine allgemeine Einsicht, dass dass Sprachförderung kein Projekt ist, wie man das lange gedacht hat. Man macht mal ein halbes Jahr in der Kita Sprachförderung. Und dann hat sich das. Wir wissen, dass Kinder sehr schnell lernen unter guten Bedingungen, aber das reicht natürlich wirklich nicht aus, um ihnen gute Startchancen zu ermöglichen. Wir brauchen da die durchgängige, kontinuierliche Sprachbildung, Sprachförderung dann, ne? Bildungsetappen übergreifend, also bis in die Universitäten brauchen wir das. Dann, ja, mein allerletztes Fazit noch, also die Lernenden brauchen kompetenzorientierte Lehrer und möglichst auch Lehrer und Lehrerinnen mit Spaß an der Sprache und an der Kommunikation und ohne Angst vor Sprachen, ob sie ihnen im Klassenzimmer begegnen, indem sie ihre Schüler und Schülerinnen auch mal ermutigen, vielleicht eine Mathematikaufgabe, wenn sie es nicht auf Deutsch hinkriegen, ruhig mal auf Türkisch oder Griechisch zu lösen. Da geht es ja um die Mathematik, da geht es ja dann nicht in dem Moment so sehr um den Deutscherwerb. Also ohne Angst vor Sprachen, egal wo man ihnen begegnet, ob es im Schulhof ist oder wo auch immer. Natürlich brauchen die Pädagogen und Pädagoginnen sprachwissenschaftliches Grundlagenwissen,
Einsichten in die Hürden und in die Architektur, also wie sieht die Architektur aus, das muss man explizit wissen als Lehrer und Lehrerin, und Einsicht in die Hürden, wo sind denn die Schwierigkeiten, die auftauchen können, und dann braucht man selbstverständlich auch noch ein Methodenrepertoire, man braucht einen diagnostisch geschulten Blick, um den Wandel zu sehen, um zu sehen, es geht in die richtige Richtung. Oder wo sind die Lerner gerade angekommen? Und das fliegt uns eben nicht von selbst an, sondern das müssen wir uns dann schon erarbeiten. Und die Bildungseinrichtungen brauchen eben den Schulterschluss innerhalb von starken Teams und dann gute Rahmenbedingungen. Und dann wird es natürlich wieder kostspieliger. Man braucht insgesamt weniger Stress miteinander, wenn man sich unterstützen kann bei der Sprachförderung und wenn man dann auch wirklich sagen kann, man ist aktiv am Wandel beteiligt. Jetzt ist es so, dass wir ja insgesamt wirklich so viel Wert auf die Vielfalt legen. Wir sind aber dann bei der tatsächlich real existierenden sprachlichen Vielfalt in unserer Mitte oft sehr hilflos. Da ist eben auch der Perspektivwechsel nötig. Wir loben es, hier, das war in einem Artikel in der Zeit, wenn ein Kleinkind eben drei Sprachen spricht. Aber wenn mal die Frage auftaucht, sollte Türkisch denn ins Gymnasium kommen, dann steht die Welt Kopf. Also nach einem Artikel in einer Heidelberger Zeitung, Türkisch wird Schulfach, wurde ich angerufen und die erste Frage, die man mir stellte,